the loser of training April, Edouard Michou. Salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne. Bonne ambiance hein, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. À 24 heures maintenant du match retour face à Manchester City, le jeune Edouard Michou a reçu son trophée de loser de l'entraînement du mois d'avril. Bon, c'est bon enfant, hein, évidemment. Et Neymar ne pouvait pas rater ça, toujours dans les bons coups. Le PSG qui d'ailleurs a battu Lens 2-1 ce week-end, tout ça avant de s'envoler aujourd'hui pour Manchester. Et d'ailleurs, petite inquiétude hein, aujourd'hui concernant Kylian Mbappé qui a été aperçu légèrement boitillant. Voilà, en arrivant à l'aéroport aujourd'hui, sa présence ou non dans le 11 de départ de Pochettino reste un mystère pour le moment. Mais c'est vrai qu'à l'heure où on se parle, eh ben, on n'est pas totalement serein. On rappelle hein, que l'attaquant parisien tout de même ne s'est plus entraîné avec ses coéquipiers depuis le match aller. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé non plus. Petite question du jour, tenez, par rapport à Kylian Mbappé. Selon vous, est-ce que Pochettino doit le titulariser même s'il n'est pas à 100%? Voilà, on aimerait vos avis sur cette question. On sélectionnera évidemment deux commentaires. Demain, le titulariser absolument ou pas, à vos coms. D'ailleurs, la quotidienne qui sortira très tôt. Hein, demain, comme à chaque fois lorsqu'il y a un très gros match de Ligue des Champions, on sera là dès le début d'après-midi. Donc soyez bien au rendez-vous. En attendant, on revient à nos moutons, la bagarre pour le titre de champion de France et les places européennes. Alors, la bagarre au sens propre, évidemment, comme hier, après le match, après le coup de sifflet final, plutôt entre Monaco et Lyon sur le terrain. Victoire 3-2 des Lyonnais qui frappe un grand coup. On a vraiment eu un match de dingue. Et après le coup de sifflet final, ça a bien chauffé. Donc, 4 cartons rouges distribués par Monsieur Turpin après la rencontre. Il y a de la tension en cette fin de saison. Les joueurs sont sur les nerfs. Rudy Garcia, tenez, après le match, nous parle de la baston. La provocation, elle vient de chez eux, par des joueurs en plus, que bien évidemment, qui ne sont pas titulaires, des jeunes. Et donc, c'est anormal qu'on ait pris des rouges, alors qu'on n'a rien fait, on n'a même pas riposté. Et l'après-match n'est pas digne d'une équipe de leur rang et des joueurs de leur rang. Et Monaco, dans tout ça, garde sa troisième place. L'ASM a encore son destin entre ses mains pour sécuriser sa place en Ligue des Champions. Donc, il n'était pas forcément plus dégoûté que ça hier, Niko Kovac, après le match. I'm not so disappointed because I can say my players did the best and tried the best, so we had the better chances. So this is football, this is life, and we are still one point up, and everything is in our hands. Et le LOSC, de son côté, résiste fort à la pression. Ils sont en place, les Dogs, après leur victoire 2-0 face à Nice. Ce week-end, encore 3 matchs à jouer pour le LOSC. 3 matchs à tenir s'il veut décrocher ce titre de champion. Lille qui compte déjà 76 points. Et à une certaine époque, quand t'avais 76 points, bah t'étais déjà champion. Pas vrai, Christophe Galtier? À l'époque, avant que le Qatar, avant que le PSG, une version Qatar, arrive, souvent, c'est 2 points par match, vous étiez quasiment champion. Là, il faudra beaucoup plus de points, beaucoup, il faudra encore beaucoup de points. On n'est pas sûr d'être champion, on n'est pas sûr de finir second, on n'est pas sûr de finir troisième. Allez, le football vrai, le ballon, comme tous les jours, vous le savez, dans la quotidienne, on démarre en Slovénie avec le match entre Murat et Gorica. Regardez ce coup franc. Bon, on a quelques doutes hein, sur l'investissement du gardien. Voilà, bon, on dit pas que ça le dérange pas de se prendre ce but, mais bah plonge en fait. Alors, il y avait la finale aussi de la Coupe de Pologne ce week-end. Adam, tu peux nous balancer le nom des deux équipes, s'il te plaît, parce que là, parfois, il y a des jours où le cerveau n'en veut pas y aller. Et aujourd'hui, je sens que c'est pas le moment. Bon, pendant ce match, en tout cas, un certain Mateusz Zebrowski a marqué. Superbe inspiration. Hein. Et en Russie, pour finir, le Zénith a été sacré champion hier après son succès 6-1 face au Lokomotiv Moscou avec un but de Malcolm, les amis, l'ancien bordelais, toujours capable hein, de nous faire rêver quand on ne s'y attend pas. Et on serait pas contre hein, le revoir en Ligue 1, celui-là. Et
Et en parlant de champion, tenez, en Italie, c'est officiel. Depuis hier, l'Inter Milan décroche le Scudetto, le 19e de son histoire, le premier depuis 2010. Tout ça après le nul de l'Atalanta face à Sassuolo. Et rendez-vous compte, hein, en 2012, c'était Antonio Conte, l'entraîneur de la Juventus, qui a remporté le titre de champion. Depuis, la vieille dame a été sacrée tous les ans. Et hier, c'est Antonio Conte qui a mis fin au règne turinois. Bon, entre-temps, il a remporté aussi la Premier League avec Chelsea. Sacré bonhomme quand même. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, à Old Trafford, hier, on s'attendait à voir un choc entre Manchester United et Liverpool. Et à la place, on a eu ça. Scène incroyable donc hier à Manchester, oui, où les supporters sont venus crier leur mécontentement vis-à-vis de leur direction. La fameuse Super League est loin d'être digérée, surtout hein, que les fans de United en ont après leurs actionnaires américains depuis un moment. Et dans tout ça, eh ben, la rencontre face à Liverpool, elle a été reportée tout simplement. On parle de révolte aujourd'hui en Angleterre après cette action coup de poing des supporters. On attend désormais de voir la réaction de la fédération hein, qui n'est pas du genre à blaguer, mais alors pas du tout du genre à blaguer sur la discipline. Et en Espagne, tiens, rapidement, Adam, tu nous balances le classement, s'il te plaît. C'est parti, l'Atlético, le Real et le Barça ont gagné ce week-end. Dernier match en date, celui du Barça hier, qui a battu Valence 3-2 avec des buts de Griezmann et Messi. Alors mathématiquement, même Séville peut encore décrocher le titre de champion. Et le week-end prochain, on a un petit Atlético Madrid, FC Barcelone, match décisif. Allez, avant de nous dire au revoir, rapidement les amis, respect à Moïse Kean, l'attaquant du PSG qui a profité hier de son jour de repos pour aller distribuer de la nourriture à des migrants et à des sans-abri, porte de la Chapelle à Paris. Alors on a eu pas mal de réactions hein, qui disaient « ouais mais il met ça sur les réseaux sociaux » et ainsi de suite. En fait, peu importe, hein, voilà, au moins il le fait, réseaux sociaux ou pas, il a aidé des gens dans le besoin et ça, c'est cool. C'est la fin de la quotidienne. En attendant, on se quitte comme tous les jours en images et en musique et on se retrouve demain, les amis, c'est promis. Salut. Les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous. Et oui, et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.